Bonjour Frédéric, on se retrouve avec vous après la belle victoire de Dream de Lindheim dans l'Optro Open des régions des 3 ans. Comment vous avez vécu la course? Comment avez-vous jugé cette victoire? Bah, la course, on l'a vécu bien. Son point faible là, depuis un moment, c'est de faire attention pour partir. Donc Eric, il a fait attention et tout en faisant attention, il a pris un bon départ. Et puis après, il est venu se placer. Il y a eu 2-3 relais, il a temporisé. Après, il a repris le commandement. La seule chose qui me faisait un peu peur, c'est que ça faisait 2 fois qu'on galopait et que le cheval ne faisait pas une vraie course. Donc, pour courir à ce niveau-là, à Vincennes, on est quand même plus confiant quand le cheval vient de faire des vrais, vrais parcours, quoi. Bien sûr, vous créez là, il n'était pas forcément à 100%. Si, le cheval avait travaillé, mais bon, travailler, c'est pas comme si vous venez de courir. J'aurais préféré qu'il court à Mokanchi et qu'il fasse sa vraie course et qu'il lutte en faisant les 2008 plutôt qu'en faisant le tour derrière, quoi, voilà. Et également à la fin, est-ce que peut-être vous craignez un petit peu d'Oberman ou d'autres chevaux qui étaient dans votre sillage? D'Oberman m'avait pas spécialement emballé quand même. Maintenant, il aurait pu être dans un super grand jour. Non, ce qui me faisait vraiment peur, c'était le fait d'avoir fait 2 fois la faute et de ne pas avoir fait de vrai parcours depuis Chartres. Voilà. De toute façon, il a mené son objectif à bien, c'était vraiment son objectif à part entière depuis pratiquement la fin de l'été. Ouais, mais si on n'avait pas sauté de flaque d'eau à Mokanchi, on pouvait pareil gagner à Mokanchi et ça faisait 13 500 de plus. C'était pas dérangeant. Le calcul est précis. Merci bien en tous les cas et bravo. Merci.